armée de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. Nous sommes réunis en ce matin dans le nom du Père Créateur, dans le nom du Fils Sauveur et dans le nom du Saint-Esprit qui nous fortifie. Un privilège encore de pouvoir nous retrouver en ce matin pour encore élever nos voix vers l'Éternel Dieu des armées. En ce matin dimanche, certainement où tu es en train de te préparer pour aller encore communier au corps de notre Seigneur Jésus et boire à son sang. Une autre opportunité t'est donnée en ce matin d'aller vers lui, déposer tes maux, déposer tout ce qui est maladie en toi, déposer tout ce qui est souffrance au pied de sa croix, devant son trône. Comme cette femme à la perte de sang, qui a dit, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe, je serais guérie. C'est une question de foi. Comme la femme de Jaïrus, comme ces lépreux, comme Bartimée, c'est une question de foi, de croire. Voilà pourquoi en ce matin, tout ce qui est mot intérieur en toi, tout ce qui est mot physique, tout ce qui est lourdeur de la semaine qui vient de s'écouler, qui vient de se terminer, tout ce qui est tristesse, tout ce qui est mélancolie, que tu puisses encore aller déposer tout cela aux pieds de Jésus-Christ, accompagné de Marie, notre mère. Et en déposant, dire tout simplement, Seigneur, je veux être encore fortifié pour cette nouvelle semaine à venir. Je veux être renouvelé pour cette nouvelle semaine à venir. Je veux que tu me guérisses de tous mes maux, tout ce qui m'empêche de véritablement pouvoir être un avec toi. Parce que Seigneur, j'ai foi en toi. Parce que Seigneur, j'ai confiance en toi. Voilà pourquoi ce matin, je te dis encore comme Bartimée, touche-moi. Comme cette femme, Seigneur, à la perte de sang, je veux tout simplement toucher le pan de ta robe. Parce que je veux être guérie. Guérie de toutes ces formes de lourdeur physique, mais aussi spirituelle. Alors Seigneur, viens encore me toucher au travers de ton Eucharistie, de ton corps et de ton sang. Viens encore me toucher. Viens encore me donner la guérison. Viens encore me fortifier. Viens encore me relever, Éternel Dieu des armées, parce que j'en ai besoin. Alors entends ma prière. Entends ma prière en ce matin.
Seigneur, c'est avec foi que je m'approche de toi pour te toucher. C'est avec foi que je m'approche de toi pour être guéri. C'est avec foi que je m'approche de toi pour être purifié. C'est avec foi que je m'approche de toi pour être lavé. C'est avec foi que je m'approche de toi pour être relevé. Seigneur, je te présente cette nouvelle semaine à venir. Regarde tout ce qui a été lourdeur, tout ce qui a été amertume, tout ce qui a été mélancolie, tristesse, maladie que je suis venue déposer dans ta présence pour être renouvelé, pour être fortifié. Parce que Seigneur, tu es ma force. Seigneur, tu es ma force. Alors, jette encore un regard miséricordieux et un regard d'amour sur chacun de nous. Et donne-nous de pouvoir rentrer dans cette nouvelle semaine plus fortifiés que jamais, pour pouvoir encore témoigner de tes grandeurs au travers de nos différentes activités, mais également aller vers le prochain pour encore témoigner de ta main de grâce étendue sur chacun de nous. Alors, bien-aimé de Dieu, c'est dans cet élan de prière, dans cet élan d'abandon, que je te souhaite de passer une excellente journée dominicale dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, fortifié, fortifié encore plus que jamais pour une nouvelle semaine à venir. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie à toi.